Et puis voilà. Donc, je ne vais pas vous parler de Trump qui veut créer un corps spatial. Voilà. De quoi on va parler? On va parler de la Lune. On savait déjà, mais c'est confirmé, au pôle sud surtout et au pôle nord de la Lune, dans les cratères qui sont à l'ombre du Soleil, qui ne voient jamais la lumière du Soleil, il y a de la glace d'eau. Donc vous voyez, enfin on voit assez mal, non, vous voyez les petites taches bleues qu'il y a à gauche, au centre de l'image de la Lune. À droite, il y en a aussi, mais on ne les voit pas, enfin moi je ne les vois pas en tout cas. Donc c'est l'intérieur de cratères dans lequel on sait qu'il y a beaucoup de glace d'eau. Il y en a au total des centaines de millions de tonnes. Enfin, c'est une estimation, bien sûr, on n'a pas été mesuré précisément. Donc ça, c'est intéressant pour la suite de l'exploration spatiale et pour le fonctionnement pour la géologie de la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra déterminer quelle en est l'origine. Et puis en fait, toutes ces couches d'eau qui se sont accumulées au cours du temps, ça, on pourra peut-être dans le futur les traiter comme des terrains sédimentaires sur Terre et faire des études, parce qu'une partie de cette eau peut venir de comètes ou de météorites qui se sont crachés sur la Lune et qui ont dégagé de la vapeur d'eau. Ça peut venir aussi d'autres causes. Ça peut venir du sol de la Lune elle-même ou du vent solaire. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, pour les gens qui veulent construire des bases sur la Lune, on sait que en se déplaçant au pôle, il y a de l'eau autant qu'on en veut. Et l'eau, c'est pas seulement pour boire, ça peut faire, en électrolysant, ça donne de l'oxygène, et ensuite, oxygène et hydrogène, c'est un carburant. Alors, sur la Lune, encore, récemment, il y a des gens qui se sont penchés sur l'origine de la Lune. Vous savez que l'origine, la théorie la plus courante, c'est un crash entre une protoplanète de la taille de Mars et la Terre, enfin l'ancienne, notre ancêtre, l'ancêtre de la planète Terre. De ce crash, il est né la Terre actuelle et un anneau de débris en orbite qui s'est progressivement, même assez rapidement, transformé en un corps céleste, la Lune. Donc, au moment où la Lune s'est formée, elle était bouillonnante et donc il y a beaucoup de vapeurs de gaz qui se sont dégagées. Et donc, à cette époque-là, pendant quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années, il y a eu une atmosphère sur la Lune. Donc, une atmosphère et de l'eau, donc possibilité de vie. Et puis, un milliard d'années plus tard, le volcanisme lunaire s'est déchaîné. Pareil, il y a eu énormément de vapeurs d'eau et de gaz qui ont été envoyés dans l'espace. Ça a reconstitué une atmosphère. Et l'atmosphère lunaire ne peut pas rester très longtemps, hein, parce que entre le fait que la gravité de la Lune est faible, elle ne peut pas retenir longtemps l'atmosphère, et les vents solaires qui sont capables de balayer les atmosphères de ce genre de corps, ça ne dure pas longtemps. Mais pendant le temps, mieux cette atmosphère, il y a encore une possibilité de vie. Ça veut dire que les explorateurs sur la Lune, qui prendraient le temps de fouiller, pourraient retrouver peut-être des traces de cette époque, et qui sait, des traces de vie de cette époque. Donc ça, c'est intéressant, ça prouve que les possibilités de vie sont beaucoup plus importantes et vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser a priori. Parce qu'a priori, la Lune, c'est un astre mort, point final. La Terre. Alors là, c'est un petit peu le côté négatif des choses. Les planètes sont bombardées par des astéroïdes. Et notamment, il y a eu 26 explosions de très grande ampleur depuis l'année 2000. Alors, il y a une fondation américaine, B612, qui justement ça a été bâti pour détecter les astéroïdes dangereux et pour pouvoir un jour trouver un moyen de lutter contre ces bombardements. B612 vient du nom de l'astéroïde dont est originaire le Petit Prince dans le roman de Saint-Exupéry. Donc cette fondation américaine lance des satellites, met au point des petits satellites, et espère comme ça détecter les astéroïdes qu'on appelle NEO, c'est-à-dire Near Earth Object. Enfin, des objets qui sont près de la Terre, bien sûr. Ceux qui sont lointains, très du côté de Jupiter, ils ne sont pas dangereux. Il y a une petite vidéo. Alors, comment on a détecté ces chocs? Suivre les essais nucléaires dans l'atmosphère, les Américains ont installé un réseau de microphones un peu partout, et avec ces microphones, ils détectent les explosions. Donc là, les explosions qui sont détectées d'une puissance de type nucléaire,
Eh bien, ce n'était pas des bombes atomiques. Ils l'ont su parce qu'il y a d'autres satellites qui permettent de détecter les rayons gamma. Pas de rayons gamma, mais une explosion. Ça, puis ensuite, une observation précise. Et c'est la preuve que c'est des astéroïdes. Voyez, j'ai passé une petite vidéo. The Nuclear Test Ban Treaty Organization monitors the Earth and ground the clock, listening for the infrasound signature of nuclear debris. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'organisation B612 recherche la signature des événements, des explosions. Nations. Between 2000 and 2013, this network detected dozens of massive explosions in our atmosphere. Alors, entre 2000 et 2013, ils ont détecté un grand nombre d'explosions, dont la liste là passe à l'écran. Mais est-ce qu'il y a des explosions dans l'atmosphère? Dans l'atmosphère, alors aucune de ces météorites n'a atteint le sol, à part peut-être Tcheliabinsk, qui est la plus violente et qui a fait 2000 blessés quand même. Des blessés légers. Vous savez, des vitres qui cassent, du au souffle, dans l'explosion. C'est surtout ce genre de choses. Alors, ça n'a pas été causé par des bombes atomiques, ça a été causé par ce genre d'engin. Et là, il va passer dans l'ensemble de le déroulement des impacts. Avec donc vous voyez l'échelle, 1 à 10 kilotonnes, c'est le petit point blanc, 10 à 20 kilotonnes, c'est-à-dire environ l'explosion d'Hiroshima, et plus de 20 kilotonnes, et quelquefois beaucoup plus. C'est des très grosses explosions. Heureusement, aucune n'a touché le sol et aucune, à part à Tcheliabinsk, n'est tombée sur une ville. 2013, there were 26 recorded asteroid impacts on Earth, ranging in energy from 1 to 600 kilotons. For comparison, the nuclear bomb that destroyed Hiroshima in 1945 exploded with an energy of 15 kilotons. Donc ça tombe quand même assez dru. C'est pas l'angle réel, ça. Quoi? Comment? Ça, c'est pas l'angle réel sur la vidéo. Non. L'angle doit être beaucoup plus incliné. En général, ça doit être incliné. Ouais, vous avez raison. Well, most of the asteroids shown here exploded at too high an altitude to cause damage. Alors, ils ont expliqué que la plupart de ces explosions sont faites à haute altitude et donc ça n'a pas fait de dégâts au sol du tout. Il n'y a pratiquement qu'à Chelyabinsk qu'il y a eu ces dégâts. Mais on the ground, they do remind us that asteroid impacts are not rare. Oui, c'est pas rare. An asteroid large enough to destroy an entire city hits the Earth on average once a century. Alors, un astéroïde capable de détruire une grande ville, un average, c'est-à-dire en moyenne, tombe tous les 100 ans. Notamment, c'est celui qui est tombé en Sibérie, le fameux astéroïde de la Tunguska, qui a rasé 2000 km² de forêt. Ça serait tombé sur Paris, et ça, toute la région parisienne qui était antivoisine. Because we don't know when or where the next major impact will be, our current strategy for dealing with asteroid impacts is blind luck. Voilà, il dit simplement que comme on ne sait pas où ils vont tomber, il va falloir, le seul moyen c'est de les détecter avant, bien sûr, et de trouver un moyen de lutter contre ces bolides. An early warning infrared space telescope for tracking asteroids would give us many years to deflect them. Voilà le genre d'engin. Pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup d'argent, une fondation, et c'est des anciens de la NASA qui ont fondé ça, des anciens astronautes américains. Et voilà, ils lancent ce genre d'engin. An asteroid, when it's still millions of miles away. The next great space mission is protecting the planet. Join us. Voilà, donc là, ils font le commence corpule. La prochaine mission, c'est de protéger la planète, et bien sûr, rejoignez-nous, et si vous avez un peu d'argent, on n'est pas bon. Voilà, bon, je reviens à ma présentation. Donc voilà, ça on l'a fait. Donc la suite. Ah oui, il faut que je me mette en diaporama. Attends pour moi. Voilà. Alors maintenant on passe à une autre planète, Mars. Une découverte très intéressante récemment.
On sait qu'il y a beaucoup d'eau sous forme de glace sur Mars, il y en a au pôle, il y en a dans le sous-sol. Une sonde qui avait été envoyée près des régions polaires de Mars en avait trouvé. Et là, c'est quelque chose de différent. Il y a une sonde européenne qui est équipée d'un radar et a découvert à 2500 mètres de profondeur quand même un grand lac d'eau liquide. Il y a énormément d'eau, c'est très très grand. C'est une découverte très importante. Parce que bien sûr, au liquide, il y a la possibilité de vie. Donc, par contre, il faudrait à cet endroit-là descendre assez profond. Alors il y a des gens que ça énerve parce que dans science, c'est assez idéologique, même l'air de rien. Normalement, ça ne devrait pas, mais il y a des gens pour lesquels, dès qu'on dit qu'il y a de l'eau sur Mars, ça les énerve. Ils disent, mais non, Mars est extrêmement sec. Et c'est vrai qu'en surface, c'est mille fois plus sec que la Terre. Sauf que, ce que vous voyez là, la photo que je publie là, c'est la photo d'un glacier martien à l'altitude moyenne. Et les glaciers martiens, il y en a des quantités. Il y a des photos, vous voyez ce panache là, ça teste. C'est pas trop facile de voir le relief, on a tendance des fois à le voir à l'envers. En fait, c'est un creux, tout est en creux, et c'est une vallée glaciaire, et puis en bas, c'est la moraine frontale, et puis l'arrivée du glacier. C'est pas un fossile, c'est-à-dire que c'est pas des traces d'un glacier, c'est vraiment de sous la poussière. Parce que si vous regardez une photo de Mars, vous verrez tout ça tout jaune à cet endroit-là, comme partout, parce qu'il y a de la poussière en surface, mais en dessous, c'est de la glace. Voilà, je passe, faut avancer. Astéroïdes. Donc l'étude du système solaire continue avec la sonde américaine ERIS-REx qui vient d'arriver en face de. Qui arrive très près maintenant de l'astéroïde Bennu. Elle va pouvoir faire une étude en profondeur, elle va pouvoir envoyer une sonde qui va se poser sur cet astéroïde qui s'appelle Bennu. Enfin, en fait, son vrai nom c'est 101-995, enfin, ils l'ont baptisé Bennu. La sonde. La mini-sonde va rapporter les cailloux, les prélèvements à la sonde qui elle-même va les rapporter à la Terre. Donc c'est vraiment une mission très, très riche. Ça c'est les Américains, mais les Japonais, parce que maintenant les Asiatiques commencent à faire des choses très intéressantes, que ce soit les Chinois sur la Lune, que ce soit les Japonais ou les Hindous, ils lancent des études, des sondes scientifiques qui fonctionnent très bien, donnent des résultats. Donc le Japon avait lancé en 2005 une sonde qui s'appelait Hayabusa 1 qui avait exploré cet astéroïde-là que vous avez en haut là. Celui qui a cette forme assez tourmentée avec tous ces rochers en surface. Ça avait été un demi-succès parce qu'ils en étaient approchés, mais ils n'avaient pu récupérer que quelques minuscules poussières et ils avaient eu un mal de chien à revenir sur Terre parce que leur propulsion classique avait été tombée en rade et ils avaient dû utiliser des moteurs secondaires. Ils ont mis des années pour revenir au lieu de quelques mois. Mais ils ne se sont pas découragés et ils ont lancé Hayabusa 2 en 2014, qui est tout près de ce deuxième astéroïde en bas, qui s'appelle Ryugu. Et ils vont l'étudier en détail. Et notamment, il y a une sonde européenne qui s'appelle Mascot, on a déjà décidé de l'endroit où elle doit se poser. Elle va s'y poser, elle va récupérer des éléments, va les donner à la sonde Hayabusa qui va revenir vers la Terre. Donc tout ça, ça va nous faire beaucoup progresser dans la connaissance du système solaire, parce qu'à l'heure actuelle, on a des roches du système solaire, mais qui viennent par les météorites. Et souvent, elles sont transformées, le choc les échauffe, et puis on ne sait pas exactement d'où elles viennent, tandis que là, on saura précisément où ça a été échantillonné et dans quelles conditions. Voilà, on avance. Europe, donc on a déjà plusieurs fois parlé à OVNI Paris, c'est une lune de Jupiter, c'est la numéro 2, hein, vous avez Io, Europe, Ganymède et Callisto. Europe, la numéro 2, elle a une croûte de glace et en dessous presque certainement un océan, ce qui est représenté à gauche. Et presque certainement, vu la grosse activité de ces lunes, il y a des volcans sous-marins et donc il y a tout ce qu'il faut en théorie pour avoir la vie, c'est-à-dire de l'eau, de la chaleur, de l'énergie et des sels minéraux. Donc est-ce qu'il y a de la vie ou pas, on ne sait pas. En tout cas, si jamais cette vie était expulsée par, vous voyez sur la droite, cette espèce de geyser, il suffirait de quelques centimètres de glace pour qu'elle soit protégée des radiations, des immenses radiations qu'il y a dans la région.
Je parlais sans micro, mais apparemment, ça c'est pas la différence. voilà. Ça veut dire qu'il y a des projets. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets d'envoyer des sondes en orbite d'Europe et de s'y poser et d'étudier. Donc si juste quelques centimètres permettaient de sauvegarder les molécules organiques et les organismes qui auraient été éjectés à l'extérieur, là, on pourrait donc les étudier. Donc c'est des bonnes, ça c'est une bonne nouvelle pour l'astrobiologie. Par contre, une mauvaise nouvelle, c'est qu'on avait découvert... Alors maintenant, là, je quitte le système solaire, je vais dans les planètes qui ont été découvertes récemment, dans toutes les étoiles qu'il y a autour de la nôtre, du Soleil. Vous savez qu'on a découvert beaucoup d'exoplanètes, et il y en a découvert qui seraient soi-disant de type terrestre, mais un peu plus grosses que la Terre. Il semblerait que toutes ces planètes, en réalité, ont énormément d'eau, certains auraient même jusqu'à 50% d'eau, donc seraient recouverts d'océans de centaines de kilomètres de profondeur, et même certaines qui ressemblent à la Terre auraient des océans de 10, 20 km. Donc il n'y aurait pas de Terre ferme. Il y aurait que ce serait une planète océan. Dans ces conditions, pas de Terre ferme, donc pas de ruissellement, pas de, comment dire, d'érosion, et peut-être très peu de sels minéraux dans les océans, et peut-être pas de vie. Voilà, donc on passe par le chaud et par le froid continuellement dans ce domaine. Et là, ce serait une vision un peu négative de... pour les possibilités de vie, en tout cas. Les planètes, elles sont ce qu'elles sont. C'est une découverte magnifique. Voilà, donc là, c'est pour l'astronomie. Je sors de là. Je vais passer... Oh, il faut que j'avance. Donc, je sors de là. Et ufologie. C'était un peu long. Je vais rattraper le temps perdu en zappant un peu. Bon, il y a un livre qui est paru récemment, Ufologie, le voilà, OVNI en Pologne, de Piotr Selegas. C'est un bon bouquin. L'auteur est un... J'ai expliqué la page suivante. Il est un historien, il a une licence en sciences politiques, mais il s'intéresse, c'est un journaliste qui s'intéresse beaucoup à toutes ces observations d'OVNI, et il collabore avec des magazines anglais surtout. Donc il a écrit ce bouquin. Ce qui est intéressant, c'est que pour nous, ça fait un peu la liaison entre l'Occident et puis la Russie, parce qu'on a des livres sur la Russie, on a des livres sur tous les pays d'Occident, et on n'avait rien du tout sur la Pologne. Bon, sur le fond, à peu de choses près, en Pologne, on a exactement la même chose qu'en Europe occidentale. À part un détail amusant, eux, ils ont deux observations dans des rencontres du troisième type d'aliens verts. Il y en a un dans lequel les aliens sont de type humain, mais ils ont le visage vert. Bon. Et puis un autre, c'est des petits bonhommes verts. Donc on ne sait pas si c'est le costume qui est vert, c'est pas dit. Mais je trouve ça assez amusant parce qu'en général, on dit mais il n'y a pas de petits hommes verts, c'est une légende. Et là, pourtant, en Pologne, apparemment, il y en a. Les commentaires, bon, très rapidement. Je vais lire le premier. Bon travail d'investigation avec des faits méconnus de manifestations OVNI de la Pologne. L'auteur, né dans ce pays, nous présente des témoignages et des rencontres approchées. Un bon livre à découvrir pour les passionnés OVNI. Le troisième commentaire, c'est moi, bon, je dis à peu près la même chose. Bon, si vous avez un peu de temps, si, je vous conseille de l'acheter, de le lire. Voilà. Allez, on avance. Revue Alien. Moi, je continue à dire du bien de cette revue. Dans toutes les revues qu'on trouve en kiosque et qui parlent d'ufologie, pour moi, c'est peut-être la meilleure. Bon, il y a Top Secret, il y a Monde Inconnu. Et toutes ces revues-là ne parlent que d'ufologie. Alien parle essentiellement d'ufologie. Et il y a pas mal de... Il y a des choses importantes. Il y a même un article philosophique de bonne qualité sur le principe d'inertie. Je trouve très bon. Il y a une interview de Pascal Fechner pour le nouveau MUFON France. Voilà, il y a aussi une grande interview d'Éric Jurquet et Fabrice Bonvin, l'avant et après OVNI et conscience. Voilà, c'est quelque chose que je découvre, cette affaire d'OVNI et conscience. Quelque chose, c'est comme ça, c'est vraiment l'intérêt de lire et d'aller à la découverte, parce que jusqu'au début j'avais un a priori contre, et je ne dis pas que je suis pour, mais je trouve des choses intéressantes.
Voilà, je passe, mais je vous conseille cette revue et ce dernier numéro, le 37. Je l'ai là, vous pourrez le feuilleter après la conférence. Lumière dans la nuit. Alors, Lumière dans la nuit, continue à travailler, à publier. Donc, la voici, le dernier numéro. Très belle, toujours je trouve des belles couvertures faites par Alexandre Esco. Donc, il y a un article sur la lumière flux de certain Dominique Moreau, que je ne connais pas. Alors, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu qu'il y avait une photographe qui s'intéressait à la lumière, Dominique Moreau, et puis j'ai vu une autre personne, une artiste qui s'intéresse aussi à la lumière, Dominique Moreau. Mais je ne sais pas qui a fait cet article. En tout cas, il est intéressant. Ah, aussi, il y a un article sur la piste du fer, c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelait Luc Côté, que peut-être que des gens connaissent. Moi, je ne le connaissais pas, en tout cas. Mais je vois qu'ici, notre encyclopédie vivante, je connais. Faut lire son article dans Lumière dans la nuit. Enfin, en deux mots, l'idée, c'est que les ovnis, c'est pas un article sceptique, hein, il pense que les ovnis sont un phénomène réel, que les ovnis sont attirés par le fer, les mines de fer. Alors, c'est un peu lié à la piste ovni et structure géologique, et ovni et faille. Mais c'est un peu plus précis, là, les ovnis seraient intéressés par le fer. Pourquoi, je ne sais pas exactement, mais il développe cette idée. Je pense que cette personne va venir OVNI Paris dans les mois qui viennent. Je travaille avec lui pour qu'il vienne. Les OANI, alors c'est un article de Jean Sidère qui a été publié déjà, je vous en ai parlé en juillet, quand j'ai parlé de la Gazette de l'UFO. Donc Jean Sidère a envoyé cet article à son ami Turco, qui nous l'a envoyé, on l'avait mis dans la Gazette de l'UFO. Donc en fait, c'est une suite de témoignages sur des OANI, des témoignages d'objets qui plongent dans la mer ou qui en ressortent. C'est assez riche. Je pense que si vous avez lu les livres de Matisse, vous avez un peu la même chose aussi. Mais là, c'est vraiment le témoignage pur, sans discussion et interprétation. Et puis, il y a monsieur Jean-Claude Bourret qui a donné de l'information à Lumière dans la nuit, qui a parlé du survol d'une centrale nucléaire. Allez, suite. Donc, je vous conseille. Bon, je reviens là-dessus. Le SO, mission en Vendée, 24 et 25 août 2018. Alors, la ufologie, ça peut aussi du travail de terrain, ça peut être du travail de manutention. Donc, en fait, il faut. On s'est donné. Cette association, le SO, a pour tâche la sauvegarde et la conservation des études et archives ufologiques. Habituellement, il y a un stand tenu par Gilles Durand qui vend des livres. Ça nous permet de financer le SO. Alors, j'en fais partie aussi, mais c'est pour ça qu'on travaille ensemble. L'idée, c'est d'assurer la sauvegarde du patrimoine ufologique. Tous les travaux qui ont été faits par les ufologues, que ça ne soit pas perdu. Donc, il y a des délégations, enfin bref, les ufologues qu'on arrive à contacter nous donnent l'autorisation de récupérer leurs archives après leur mort. Et donc, ce qu'on a fait là, on a fait une mission en Vendée pour aller récupérer les archives d'un ufologue qui s'appelle Franck Boite, qui est décédé récemment. Il est d'origine belge. Il a été. Il n'est pas très très connu, mais enfin, en Belgique en tout cas, oui. Et en plus, Thierry Rocher, que voici ici, là, Thierry, a contacté Jean Sidère, une fois nettement plus connu, qui habite la même région, et il l'a convaincu de nous donner tout ce qu'il pouvait sur ses archives ufologiques. En fait, il nous a surtout donné des livres de science-fiction, des livres et des revues. Mais ces archives personnelles sont peut-être déjà récupérées. Donc voilà. Je vais vous montrer quelques diapos là-dessus, rapidement. Alors, voilà, donc on est parti de Paris, on a été en Vendée, en voiture. La voiture, la voilà, je l'appelle la SOMobile, donc tout simplement une voiture de location. C'est 4 Peugeot. Alors, l'équipe, ah, ça fait peur. on était déguisés, on n'était pas déguisés comme ça, on était en. Voilà, comme on est là, à peu près. Donc, il y avait Galactéros à gauche, qui fait la boule, hein, et puis il y avait deux personnes qui m'ont dit qu'il fallait pas que je les nomme. Alors, je les nomme pas. Donc, vous savez, en Vendée, ils ont des petites maisons comme ça, tout en longueur, très plates, avec toit de tuiles romaines. Donc là, c'est la. On a été reçu par la
enfin, je simplifie un peu parce qu'il y a eu toute une discussion, toute une négociation au téléphone qui a duré des jours et des jours. Mais au final, on a été très bien reçus par des gens très sympathiques. Un voisin qui était un ami de M. Boit, Franck Boit, qui s'appelle M. Agar, qui est belge comme Franck Boit l'était, qui nous a pilotés, qui nous a aidés. Et puis la femme, la fille de la femme de Franck Boit, fille d'un premier lit, comme on dit, qui nous a reçus et qui nous a donné l'autorisation de rentrer, de travailler. Donc, sur le côté, derrière la maison qu'on vient de voir, il y a cette remise. Vous voyez notre camionnette en train d'être chargée et la porte qui est ouverte. C'était là-dedans qu'il y avait... Donc, vous me voyez avec Raoul Robet. Moi, je dis son nom. Mince. Donc, vous voyez, on n'a pas été surpris parce qu'on nous avait bien décrit. Donc là, il y a une malle qui pèse un peu comme un âne mort. Et puis, on l'a pris tel quel parce qu'on a pas, on voulait avancer très vite. On ne voulait pas embêter les gens, on voulait que ce soit réglé. Et il y avait les étagères et puis l'armoire, tout ça c'est des documents de Franck Boit. Donc on a trié ça, enfin en partie, on a mis ça dans des sacs, dans des boîtes, et on a mis ça dans la camionnette que voici, que voilà. Et voilà, le travail est fait en une heure, mais sans chômer. Hein. On a aussi expliqué quand même pourquoi on faisait ce travail à cette dame qui nous recevait. C'est un peu le moindre des choses. C'est Raoul qui a fait ça, très bien. Ensuite, alors on a le soir, on a quand même fait un peu de gastronomie, on a quand même mangé dans un bon restaurant, je vais quand même vivre un peu. On a été au bord de la mer et on est revenu à Chaland, c'est le point en bas là. On était basé à l'hôtel. Et puis le matin, c'était assez rigolo, il y avait un vide-grenier. Paraît-il que ça avait été extraordinaire. La ville était barrée, il fallait faire attention, il fallait pas laisser les voitures. En fait, il y avait 6 exposants dans une immense place. Moi, j'ai quand même acheté 2-3 trucs, mais c'était vraiment comique. Donc, on a pris notre voiture et on est arrivé toujours à l'heure. Le saut est toujours à l'heure. On est formidable. Et on est arrivé chez M. Jean Sidère, à une petite ville qui s'appelle la Bernerie-en-Ré. Jean Sidère, il est à 100 mètres de la mer. Là. Et juste en contrebas, il y a la plage. Donc ça, c'est sa maison. Où la porte est ouverte, et donc à droite, c'est là que la salle qui lui sert de bibliothèque, et puis sur la gauche, c'est là que son bureau. Donc il nous a accueillis très aimablement. Voilà, donc vous avez M. Sidère à droite, avec le maillot rayé, moi je suis au milieu, et puis c'est Lionel sur la gauche. Donc les sacs. Ça a été une bonne trouvaille, ça. J'ai acheté des sacs de supermarché. Entre parenthèses, dans les supermarchés de Vendéens, ils coûtent 60 centimes, alors que chez Leclerc, la première série que j'avais achetée coûtait le double. Aller en Vendée, c'est payé pas cher. Ou c'est Leclerc qui exagère. Oui. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant. Il y avait surtout des livres de science-fiction. Derrière moi, là, il y avait des bouquins d'ufologie, et pas que d'ufologie, d'ésotérisme, de choses comme ça. Et puis, là, à côté, dans l'autre côté de la pièce, il y avait beaucoup de revues anglo-saxonnes qu'on a failli oublier. Et puis, je les ai vues, j'ai demandé à Chancilia si on pouvait les prendre. Il m'a dit oui, pas de problème, on a tout oublié de rayon, là, de sa bibliothèque. Il a eu. Donc voilà, la cabinet est chargée. J'ai un bouquin, je ne sais plus ce que c'est. C'est un bouquin sur les phénomènes extraordinaires de Corvis. De Corvis, ouais, c'est ça. Enfin bon. Il a quel âge maintenant ? Plus de 80 ans. Alors comment il est ? Il paraissait très bien, comme ça. Sauf qu'il dit qu'il n'est plus autonome, qu'il se fait livrer les courses, qu'il peut plus faire ses courses lui-même. Qui perd un peu la boule. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il perdait la boule. Franchement, il a été impeccable du début jusqu'à la fin. Il nous a gentiment servi une collation à la fin. Il nous a montré, oui, ça vous, ça c'est la photocopie du journal de Roswell du jour. C'est Roswell Daily Record. Oui. Et puis RAF capture flying saucer on ranch in Roswell region. Bon, ça a été démenti le lendemain, mais ça, c'est le journal d'origine. Il nous a montré ça. Et puis voilà. Et ensuite, alors je passe les détails, retour en région parisienne. C'était le jour des rentrées, la rentrée des vacances de tout le monde. On a bien navigué. On est arrivé à peu près en temps. Et donc, nos collègues à Paris avaient travaillé donc, à Vincennes, au local du Sceau,
Il y a des caves qu'ils ont aménagées, ils ont raboté le sol, ils ont travaillé comme des damnés, carrément. Et ils ont monté ces étagères qu'on a pu utiliser pour, voilà, pour décharger nos merveilles. Voilà une autre forme d'ufologie. Bon, allez, hop. Alors, en tout cas, ça a été un grand succès et tout le monde est content. la librairie Lusso, ben, on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Les conférences le 2 octobre. Donc, OVNI Paris, on reçoit Robert Roussel, l'auteur de OVNI, les oubliés de la science et de sa suite, OVNI 1947-2017, le choix du déni. Hein, ça, c'est le mois prochain, le 2 octobre. Et puis, en novembre, le 6 novembre, nous recevons Daniel Arand pour OVNI et nucléaire. Voilà. J'avance, j'avance. Ah, important. Important. Une annonce OVNI Paris. À partir de maintenant et de dorénavant, je ne publierai les vidéos qu'avec 2 mois de retard. Jusqu'ici, je faisais le maximum pour les sortir très très rapidement. Je continuerai à faire le maximum pour les sortir, mais je les garderai. Je les utiliserai pour faire mon compte-rendu. Par contre, je ne les publierai qu'avec 2 mois de retard. Ça m'a été demandé par Isabelle Ferrigo de Annecy. Mais en fait, je méditais depuis un certain temps, parce que je pense que je me fais du tort à publier les vidéos tout de suite. Ouais. 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 Voilà, j'ai fini. Et ça va être la parole à Patrice Javel. Je cède le micro. Merci.